Allez. Bon, c'est la route, hein. Je vois des gens. C'est ça que je voulais faire. Ah putain! Une seule flèche, hein. Quoi, panique? Mieux vous rester caché.
Attention à cet archer. Je vais t'écorcher. Alors, aptitude. Peut-être celle-là. Voilà. Peut-être améliorer ma lance. Ah, mais il y en a un solide, mais c'est bien ça. On va faire le trajet. Et on va faire le trajet en bateau, comme ça, ça permettra de récupérer des trucs.
Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Allez les gars, on y va. Préparez-vous à partir. Où va-t-on, capitaine? Celle que j'aime, vous savez, celle-là. Non, elle veut pas chanter. La Drestia a été construite pour résister aux pires tempêtes et aux plus durs combats. Son destin est de naviguer sur des eaux aussi belles que celles-ci. Ouais, ça bastonne. Ça sera gentil de pas me rentrer dedans, merci. Bravo! À leur fond! Ouais, je vais faire le tour de l'île. Bah bien sûr. Attends, l'autre il veut qu'on laisse les trucs intéressants sur l'eau. Nous devons nous montrer prudents par ici. Ouais, arrêtez-vous. Voilà. Capitaine, quitte le pont.
Allez. Même les lions, ils ont des attaques chargées maintenant. Elle est si loin que ça, la caverne. C'est où l'entrée ? Ça y est, je suis perdue. Ah bah voilà. Ugh.
forge activée. Synchronisation de la chronicité de retransmission. Contact en place. Voilà. Oui, excusez-moi. Ah, y a un shiny. Hop, allez. Oh putain. Debout. Et oh putain, oh, ça suffit là. Oh, viens ici, enfoiré là. Merde, il est où? Et toi, tu regardais, hein?
garde sera vigilante ici. Lâche-la. Quelque chose ? Il a disparu sans laisser de trace. Il y a quelque chose ? Je veux le savoir. Pas de soucis. Cette vipère ne s'en tirera pas comme ça. Tu vois quelque chose ? Ah, rien du tout. On garde les yeux ouverts. D'accord. Hein ? Alors, tu vois quelque chose ? Ça, il faut que je trouve d'où ça venait. Non ! Ouf ! Tu vas saigner! Je vais te tailler en deux! Donc améliorer la lance, c'est bon. Donc on va aller chercher Xenia. Ça c'est quoi ? Où j'ai mis mon bâton. Ah, il est là. Aïe. On y va maintenant.
Hey. Je vais enlever le... Voilà. Donc elle est ici. 18-19, ok. J'ai pas sauvegardé. Voilà. Attention, c'est dangereux par ici. Je ne vois pas de soldats ici. Uniquement des pirates. Ils doivent tenir tout prix. Bon, ça a l'air safe, on va y aller. Thank you.
Oh. Dieu, ayez pitié! À qui demandes-tu pitié? Tous ceux qui font le commerce d'esclaves sur mon île seront eux-mêmes marqués comme esclaves avant d'être envoyés en Attique pour nourrir l'institution dont ils voulaient profiter. Emmenez cette vermine loin d'ici. Je croyais que tous les pirates vendaient des esclaves. Et tu es ? Je m'appelle Cassandra. On dit aussi que tous les pirates sont des meurtriers, Cassandra. Alors, donne-moi une bonne raison de ne pas te tuer. T'as une bonne tête. Je cherche à rencontrer la grande pirate Xenia. C'est bien toi, non ? Voilà un titre qui me plaît. Mais qu'espérais-tu faire après m'avoir trouvé ? Je comptais te proposer un marché. Tu espérais me faire bonne impression en pénétrant sur mon île comme une voleuse ? Il fallait que je te parle en personne. Je ne m'attendais pas à ce que tes pirates me donnent la permission. Vas-y, parle. Je suis à la recherche d'une femme. Elle a quitté Sparte quand j'étais enfant. Essaie d'être plus précise, Cassandra. Elle a sur le bras des taches de naissance qui ressemblent à la constellation de l'aigle. Voilà qui est déjà plus utile. Et qui est cette femme, au juste ? Excusez-moi, le téléphone qui sonne. C'est ma mère. Je ne l'ai pas revue depuis mon enfance. Si je comprends bien, tu cherches à retrouver ta famille. En quelque chose comme ça. Tu as choisi un chemin difficile. C'est Aspasia qui m'a envoyée vers toi. Aspasia ? Pourquoi aurait-elle fait ça ? Elle a dit que tu pourrais avoir des informations qui m'aideraient dans mes recherches. Tout est envisageable, si tu as les moyens. Et quel serait ton prix ? Rien d'inabordable pour toi. Pourquoi as-tu besoin d'une somme pareille ? J'ai une ville à défendre, des gens à protéger. Je n'ai aucune envie de partir en guerre. Je veux seulement que la guerre ne vienne pas jusqu'ici. Je ne suis pas du genre à avoir autant d'argent. Je trouve ça étonnant. Tu es Mystios, après tout. Et qu'est-ce qui me prouve que tu pourras la trouver ? Je sais déjà qui est Myrine. Comment connais-tu son nom ? Je sais beaucoup de choses. J'aurais du mal à trouver autant d'argent. Tu as un navire et un équipage ? Ça suffit pour trouver du travail ici, à Corésia. Et il y a une montagne de drachmes dans le fort, de l'autre côté de l'île. Tu veux que je devienne voleuse sur l'île où tu vis ? Les autres habitants ne nous aiment pas, nous, les pirates. Leur chef a amassé une vraie fortune. Sans argent, il sera moins tenté de faire des bêtises. Ne t'en fais pas. Tant que tu travailleras pour moi, tu seras l'une d'entre nous. Ça ressemble bien aux pirates de demander une montagne de drachmes. Si je veux la payer, je vais devoir trouver du travail sur cette île. Mais non, on va aller dans le fort, oh là là. On va pas travailler non plus. Alors, on va aller là. Mais avant, excusez-moi.
Voilà, allez, c'est reparti. Attendez, elle veut 15 000 et moi j'ai combien? 13 000, ok. Il devrait être plus facile de parcourir l'île, maintenant que tout le monde ne cherche plus à me tuer. Bon, c'est pas fait franchement agresser. Bah allez, grimpe! Mais non. Ah putain. Raté. Et voilà.
Ça c'est fait. Donc ensuite. Je dois me montrer prudente par ici. J'ai réussi à
J'imagine. Ne t'en fais pas, ce ne sera pas. Ah, moi aussi je brûle. Ah, blablabla. Merde. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Rejoins mon équipage, tu ne le regretteras pas. Il y a deux trésors. On va remonter, sinon on va se noyer.
Si je veux éviter un combat, je dois rester caché. Oh ! Mais que... dégâts lui. Mais vas-y! Adepte. Ah d'accord. Voilà pourquoi il prenait pas de dégâts. Retourner fouiller les lieux. Pourvu que personne ne me remarque. C'est bien, on a eu un adepte. On va aller synchroniser. Thank you.
insiste. Ensuite, elle est là. Je trouve le travail. Voilà. Thank you.
Ah, du minerai dans le calque. J'ai un nouveau casque. Vérifier que j'ai rien oublié. Non, ça va pas l'air. Ah si, hop. Voilà. Et ensuite, on va aller ici. Et en dernier, on ira là. Intéressant. Apparemment, Xenia ne contrôle pas toute l'île.
Je sache qui s'amuse à faire ça. C'est moi. Je vais me mettre à couvert. C'était quoi ce bruit ?
vie est à moi. Mais merde. Personne ici. Oh non. Ouvre l'œil. C'est grave. Le coupable est peut-être encore ici. Ah putain! Pour le meurtre! C'est simple la vie. Tu meurs et je gagne de l'argent. Attention, ça va pas te faire mal surtout. Hein? Là-bas, c'est un corps. Bon, on a récupéré l'argent, hein. Allez. Bonjour. Au revoir. Allez, salut. Monte. Ben, t'es sérieuse, hein? Attends, lequel est le capitaine? Celui-là, hein? Trouver où est l'archer. Les deux. Les
Les flèches venaient de là-bas. Et de trois. Et de quatre. Voilà. Allez. Tu vas mourir! Il me manque un trésor. Qu'est-ce qui se passe par là-bas ? Je dois être nerveux. Ah!
abandonne. On va bientôt prendre la mer. Viens avec nous. Je suis là pour toucher la prime. Oula. Alors déjà, tu m'enlèves ce bouclier. Voilà. Ah non, ouais, ouais, tu commences pas toi. Bon, démerde-toi avec le lion, moi je me casse. Je vous emprunte votre cheval. Allez, salut. Bonjour. Pardon. Tu as besoin de quelque chose ? Alors... Je vais m'élever à mon brasseur. Merci. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Je vais prendre ce brassard-là. Et puis c'est bon. Voilà.
Zenia et son équipage ont vraiment détruit cet endroit. S'ils brûlent tout, comment espèrent-ils calmer la population ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, normalement, j'ai assez d'argent. 28 000, ok. On sauvegarde. Voilà. Revoilà la puissante Spartiate. Ou presque. Tiens, voilà tes drachmes. Qu'y a-t-il de mieux au monde qu'une bourse pleine de pièces ? Combien de temps vais-je devoir attendre pour ces informations ? Je les ai, déjà. Pardon ? Tamirine navigue désormais sous le nom de Phénix. Elle a commencé dans mon équipage et l'a quitté il y a peu de temps. Il faut que je parte. Tu es chez toi, à Chaos. Mais ce n'est pas ma vocation. Mon but. Tu ne trouveras peut-être jamais ce que tu cherches, Phénix. Je continuerai à chercher. Tu es une bonne pirate. Et tu es une amie meilleure encore. Ne m'oublie pas. Tu sais où elle est en ce moment ? Elle est partie au sud-est avec son équipage pour une tâche plus grandiose. Elle a travaillé pour toi ? Quelque temps. Pourquoi est-elle partie ? Elle s'intéresse beaucoup trop à la politique et à cette guerre. Ce n'est pas sain pour un pirate. Je reste sans nouvelles depuis qu'elle est partie. Le voyage est long de Chaos à Sparte. Comment vous êtes-vous connus ? En mer, il y a longtemps. J'ai vu en elle une vie meilleure et en moi, elle a vu la liberté. Ensemble, nous avons régné sur les eaux. J'ai du mal à l'imaginer en pirate. C'est le genre de femme qui, quand elle s'est fixée un but, l'atteint toujours. Merci. Un foyer, ce n'est pas un toit. Ce sont des proches. Si tu ne trouves pas ce que tu cherches, il y aura une place pour toi ici. Phénix. Il doit y avoir des gens qui connaissent ce nom. Mais voilà. Donc ce que je vais faire, je vais continuer un petit peu toute seule, histoire de faire des quêtes secondaires, des trucs comme ça. Pour monter un peu de niveau, parce que là je suis juste. 19. Donc voilà, c'était tout pour cette session. Allez, salut!